Bonjour à tous. Alors, je viens vous faire une petite vidéo, voilà, pour vous expliquer ma décision. Voilà. J'ai mis en pause toute la catégorie service, d'accord? Donc, c'est-à-dire la voyance, la guidance, le Lao Chi, le magnétisme, la réponse aux questions avec le pendule. J'ai tout mis en pause. Parce que voilà, comme je suis en dépression, c'est pas facile, d'accord? Et comme je n'ai que des bons retours, je ne veux pas mettre ma réputation en péril à cause des attaques et des gens malsains. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce que je voulais vous dire. Donc, pour le moment, hein, pour le moment, mais de toute façon, vous allez comprendre après. Je ne fais plus de consultation. Je préfère laisser ma place aux jaloux. Voilà, ils feront les consultations pour moi. Moi, je m'en fous. Je suis dans le partage. Hein? Voilà. Donc voilà, ça je voulais vous dire. Alors, il y a des gens. Il y avait trois personnes, je crois, deux consultations et un soin. Donc je suis désolée, mais comme j'ai décidé d'arrêter, je vous ai fait le remboursement. Voilà. La boutique, elle est en déstockage, hein, vous avez vu, voilà. Donc bah, elle va rester ouverte jusqu'à ce que j'ai déstocké le plus gros de mon stock parce que j'ai pas envie de rester avec. Donc voilà. Pour le moment, comme elle est encore ouverte, ce que je peux vous proposer, puisque vous êtes nombreux à me demander si... je vais revoir les choses manquantes. Bah, vous comprenez bien que la boutique elle est en train de fermer. Donc, normalement, non. Hein? Normalement, il n'y aurait pas dû avoir de. Mais comme vous êtes nombreux à me le demander, et comme vous êtes nombreux à m'avoir demandé certaines choses, je peux vous proposer, parce que je compte fermer la boutique, je pense que voilà. Le plus gros sera parti pour fin juillet, début août. Hein. Ce que je peux vous proposer, c'est... mais après, je veux bien vous rendre service, mais vous ne me laissez pas non plus avec. Hein. D'accord? Voilà. Donc, je veux bien recommander, hein, voilà, certaines choses. Si vous vraiment vous avez besoin, hein. Par exemple, les savons, les encens et tout ça, je veux bien refaire une commande avant la fermeture. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez besoin de quelque chose qui est en épuisé sur le site, vous pouvez me contacter, vous pouvez me laisser vos messages en dessous de la vidéo et me dire ce qui est épuisé et qui vous intéresserait. Voilà, comme ça, moi, je vois. Si je peux recommander, hein, voilà. Parce que c'est pareil, hein, moi, moins de 300 ou 400 euros, je dois payer les frais de transport chez le fournisseur. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, j'en ferai une commande. Sinon, c'est pas la peine. On est bien d'accord, hein. Donc, pour me faire vos demandes, vous pouvez soit m'écrire en dessous de la vidéo, soit m'envoyer un mail. Donc, mon mail, vous savez... C'est tout en minuscule et tout collé. C'est maboutique61@outlook.fr. Mais de toute façon, normalement, mon adresse mail est en dessous de la vidéo. Là, vous voyez, sous le titre, il y a plus. Là, vous voyez, bah, vous cliquez là, vous avez tout le résumé. D'accord? Voilà. Alors là, déjà, j'ai reçu beaucoup d'emails concernant les bijoux en cristaux qui n'étaient plus dispo. D'accord? Donc, j'ai recommandé un tout petit peu de bracelet et un tout petit peu de collier en cristaux, hein, voilà, donc sable de roche et tout ça, améthyste et tout ça. Mais il n'y aura pas grand-chose, d'accord? On m'avait demandé aussi si je pouvais trouver des crânes en cristaux et en pierre, hein, d'accord? Donc j'en ai trouvé, je les ai commandés, alors j'espère que je ne vais pas rester avec, mais de toute façon j'en ai pas commandé beaucoup, hein. J'en ai commandé, je crois que deux de chaque. Donc je vais vous dire, j'ai pris l'agate indienne, d'accord? Donc c'est pour la chance, l'harmonisation,
C'est idéal aussi pour les personnes qui sont stressées. J'ai pris aussi le JAPS Sandragon, donc là c'est pour l'ancrage et pour réduire vos pensées négatives. J'ai pris l'Arvi Kit qui est pour la protection et qui absorbe les énergies négatives, voilà. Et j'ai pris l'Unakit pour la force et la sagesse. L'Unakit aussi, c'est une très bonne pierre pour faire circuler les énergies et pour stimuler votre système immunitaire. Donc là, vous comprenez que j'ai pris vraiment les pierres les plus importantes, d'accord, en forme de crâne, d'accord. Bon, alors j'ai pris ça parce que vous aviez été nombreux à me le demander et comme c'est bientôt la fête des pères, voilà, je me suis dit que peut-être ça pourrait vous aider, d'accord. Donc, n'hésitez pas à me demander ce qui vous intéresse. Parce qu'une fois que j'aurai fermé la boutique, il ne faudra plus venir me demander. Une fois que j'aurai fermé la boutique, j'aurai fermé mon registre des commerces, d'accord? Donc, sans registre des commerces, tu ne peux pas aller chez les fournisseurs. Hein, tu ne commandes pas. Hein, donc, je le dis tout de suite. Pour celles qui disent que ben, si on ne trouve pas de numéro de Siret, c'est parce que la boutique est déjà fermée. Et eh bien, mettez lunettes, hein, parce que non, le registre des commerces est encore toujours valide, d'accord? Et la boutique n'est pas encore fermée. C'est en cours, mais ce ne l'est pas encore. Donc, faut pas raconter n'importe quoi, hein, ça sert à rien vouloir activer du feu là où il n'y a pas lieu d'en mettre, hein. Parce qu'il faut faire attention, le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Voilà. Pour la chaîne YouTube, pour le moment, elle est encore ouverte, d'accord? Mais bon, vous voyez, je n'ai pas fait le tirage de juin, je n'ai pas fait le tirage de la semaine, enfin voilà. Si ça m'en prend, je le ferai peut-être, mais bon, je ne sais pas. On est déjà le 8, hein, le mois est déjà bien commencé, donc enfin voilà. Vous avez vu que j'ai rien fait cette semaine, donc là, je vais m'adresser aux petits trolls. Non, je ne fais pas de vidéo pour la monétisation, voilà. Je ne fais pas ça pour l'argent, bah non, hein. Donc voilà. Ce qui serait surtout bien, c'est de balayer devant votre porte avant de vouloir balayer devant la mienne et de ne pas mettre vos comportements sur mon dos, d'accord? Voilà. Ça serait vraiment magnifique. Alors, je ne vais pas parler de. Il y a des choses que je dois parler, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo ici. Hein. Comme ça, avec le titre, les gens regarderont la vidéo ou pas. Moi, je m'en fous. Hein, voilà. Mais j'ai quand même des choses à dire. Ensuite, bon, vous savez qu'on vit quand même pas mal de restrictions. Hein, voilà. Un coup, les Kinder, un coup. Ceci, un coup, cela. Bon, moi, je crains franchement qu'on va avoir aussi des restrictions, mais vous savez, les bonbons qu'on mange quand on a bobo quelque part, hein? Voilà, d'accord? Bon. Alors, comme je pense rester ouverte jusque fin juillet, début août, hein, le temps de tout déstocker, si vous voulez, mon fournisseur a ouvert une nouvelle catégorie. Donc, je peux aussi vous mettre cette catégorie-là, mais je vous dis, c'est une catégorie, voilà, hein, qui ne va pas durer dans le temps puisque la boutique va fermer. Donc, c'est la catégorie herboristerie. D'accord? Donc, ça sera des sachets de 100 grammes. Voilà. Ça sera dans les 4 euros, 4 euros 50, les 100 grammes. Voilà. Donc, ce que je peux avoir, c'est comment vous dire, certains produits, d'accord, que vous pouvez prendre en infusion, voilà, c'est des très bonnes herbes aromatiques et voilà. Donc, je peux avoir le basilic, la camomille, la coriandre, le curcuma.
Je peux avoir aussi je regarde parce que j'arrive pas à me relire. Le gingembre, les clous de girofle, la menthe poivrée, tilleul et verveine. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, hein, vous savez que si on prend la basilic, voilà, les vertus du basilic sont principalement liées aux actifs qu'il contient. Les feuilles de basilic ont un effet apaisant et relaxant. D'accord? Voilà. Elles peuvent aussi vous aider à lutter contre les irritations de la gorge, par exemple. Voilà. Après, par exemple, si on veut prendre la coriandre, c'est une plante médicinale avec un fort pouvoir antioxydant. Elle contient une forte proportion de vitamine K, d'accord? Voilà. Elle agit sur les troubles digestifs. Ayant des propriétés antibactériennes, anti-infectieuses et tonifiantes. Voilà, quelques exemples. Donc, je veux bien, voilà, vous mettre cette nouvelle catégorie d'herboristerie, hein, mais c'est à vous à me dire si ça vous intéresserait ou pas. D'accord? Donc, je répète, je me répète, soit sous la vidéo ici. Alors, pour les produits épuisés, vous me faites une liste de produits. Voilà. Pour herboristerie, vous me marquez oui, herboristerie. D'accord? Sinon, je ne le fais pas. Je ne vais pas dépenser de l'argent et rester avec les produits. Ce n'est pas la peine. Bien que de toute façon, après, s'il y a encore un trop gros stock de la boutique, je ferai quelques marchés pour déstocker. Voilà. Mais je n'ai pas envie de rester avec tout. D'accord? Voilà. Donc, bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, j'ai remboursé les personnes qui m'avaient demandé des consultations. J'ai fait rentrer en réassort les produits épuisés qui sont très demandés. Voilà. Donc, seulement bracelets et pendentifs, collier. Après, voilà, si vous voulez lampe de sel. Couleur, il y a encore, mais si vous voulez blanche, voilà, faut me le dire. Les savons aussi, peut-être. J'ai fait rentrer aussi parce qu'on m'a demandé beaucoup. C'est les huiles à brûler, mais vraiment les principaux. Voilà, vous savez, sauge blanche, hein. Qu'est-ce que j'ai? L'encens sauge blanche et Palo Santo, ça j'ai une grosse commande. Voilà. Donc, l'huile sauge blanche, Palo Santo, et j'ai aussi en huile Palo Santo et sauge blanche. Comme ça, il n'y a pas que les bâtons. D'accord? Voilà. Il y a aussi quelques pendules qui vont rentrer. Mais c'est les pendules, vous savez, avec les bouts en ferraille et les boules, là, d'accord? Voilà. Ça, et donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant la boutique, d'accord? Donc ça, c'est mes propositions pour la boutique. Je ne peux pas faire mieux, hein? Franchement, je n'ai plus la force de rester ouverte. J'en ai marre d'être attaquée pour quelqu'un qui fait... Enfin, voilà, je vais pas me vanter, mais je pense que vraiment je fais de mon mieux, hein, à des tarifs plus que raisonnables. Alors me faire traiter de charlatan, mais vous allez comprendre avec la deuxième vidéo, bah je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle après-midi.